Briatore, qui le lendemain se trouvait en Italie, à Venise, le fief de la famille Benetton, pour présenter la B201 que piloteront cette saison Button et Fisichella. Et dans le brouillard de la lagune, Renault a donc commencé à dévoiler ses ambitions. Il est encore trop tôt pour les touristes ce mardi matin. Le Vaporetto, le bateau-bus, croise, lui, une drôle d'embarcation. La nouvelle B201, elle avance encore masquée. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'elle se dévoilera. Originalité dans le dessin, l'aileron avant. Mike Gascoigne, le nouveau directeur technique, respecte à la lettre le règlement. Les côtés sont relevés de 5 cm. La partie centrale affiche un net décrochement horizontal avec des dérives qui rappellent l'extracteur arrière. De ce côté-là d'ailleurs, mystère, comme bien entendu sur le fameux nouveau V10 Renault. On a pris énormément de risques techniques parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, on est très loin derrière Ferrari et McLaren qui dominent et que si on veut non seulement les rattraper mais leur passer devant à terme relativement pas trop lointain, il fallait faire une véritable rupture en matière technique, en matière de poids, en matière de compacité, en matière de consommation, en matière d'intégration au châssis, etc. Donc on a pris des risques. Pendant, je pense, un certain nombre de grands prix du début de cette saison, on va probablement avoir quelques soucis parce qu'on est un peu en retard. Mais je le dis, ce n'est pas mon souci sur 2001. 2001, ce n'est pas l'écurie Renault. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'améliore grand prix après grand prix et que sur la deuxième moitié de la saison, on soit en pente clairement ascendante. C'est ça notre objectif de l'année, c'est le seul. Une seule écurie entre les deux côtés de la manche à la fin de l'année et des résultats en amélioration sur la deuxième moitié de la saison. C'est ça notre challenge. Un challenge que les pilotes sont prêts à relever. L'équipe compte beaucoup sur la nouvelle recrue, Jenson Button. Il me fait voir la limite de Fisichella et Fisichella me fait voir la limite de Jenson. C'est bien quand tu as deux teams de pilotes vite avec du talent et qu'un motive l'autre et tous les deux vont motiver le team. Depuis le début du mois de décembre, le matériel subit de nombreux essais. Même si le moteur n'est pas encore fiable, même si les chronos tardent à tomber, la motivation est à la hauteur des espérances. Cette année, j'espère de grands résultats, mais surtout fournir le meilleur travail possible. Si nous constatons des progrès permanents, je serai vraiment très heureux. À titre personnel, mon objectif est de gagner mon premier Grand Prix de Formule 1. Concernant l'équipe, j'espère qu'on pourra terminer troisième du championnat des constructeurs. Au-delà de leurs rêves, après tout, on est dans le cadre magique de Venise, ces deux garçons portent surtout les espoirs de Renault. La marque s'impliquera en son nom propre dès l'an prochain. Avec le rachat de Nissan, elle est devenue le 5e groupe mondial. Et le sport de très haut niveau doit servir ses ambitions commerciales. Le vecteur de pénétration de l'ensemble des marchés mondiaux, qui nous paraît le plus efficace, compte tenu de notre image, de notre passé et de nos capacités, c'est la Formule 1. Avec cette formidable notoriété qui est la sienne, et c'est ce qui nous a décidé à revenir, de manière à être connus en Asie, en Europe centrale, en Afrique, au Moyen-Orient, tout pays que nous devons conquérir dans les années qui viennent. Donc la F1 va nous y aider. Ça nous paraît plus efficace que de la simple publicité. Malheureusement, il y a une seule condition, il faut gagner. Et c'est le pari que nous faisons, et nous allons tout faire pour y arriver dans les années qui viennent.